donc bien ça coche. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce nouvel épisode de Freeride Québec. Comme vous pouvez voir, on est tard le soir. Je suis présentement en train de tester pour la première fois qu'est-ce que c'est rider le soir. God damn, c'est fucking cool. Alors, on est présentement au Mont-Sainte-Anne. Je me suis dit que ça serait une bonne occasion de tester les lumières et de venir rider en bike le soir. Fait que j'ai aucune idée ça ressemble à quoi. On va découvrir ça ensemble. Alors, si vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit like, donner un petit thumbs up et on va aller voir ce qui se passe là-bas. Oh wow! Alors, on est présentement dans les tours d'hydro en reconning et on teste le kit de lumière. Hey, c'est fucking bizarre! Awesome. Ah, des ponts North Shore. J'ai aucune idée où est-ce que je vais, puis je trouve des ponts en bois, c'est que c'est cool. Burp. Ça fait que on doit être dans la fin de la Carnin, whatever. Petite piste le fun. Ça fait que... Hey, c'est ça rouler le soir. Hey, c'est fucké. On va faire attention à ce qu'on fait. Puis là, en plus, j'ai ma lumière du bike, la grosse, qui est comme pas toute chargée. Parce que j'ai scrappé mon adapteur. Capable de la charger. Ça fait que ce que j'ai de batterie qui reste dedans, c'est ça puis c'est tout. Ça fait que on va y aller en mode grosse lumière. C'est une Lazine 1500 XXL qui ne se fait plus. Ils en font des plus grosses, mais celle-là se fait plus. Hey! J'ai aussi une petite lumière de tête pour éclairer plus, je crois. Ah, c'est cool ça. On va y aller full lumière. Parce que je suis vraiment pas habitué. C'est vraiment bizarre de pas voir au travers de la forêt. C'est une petite forêt relativement dense. Mais t'sais, d'habitude, tu verrais au travers. C'est comme sketch de juste voir ce qui se passe en avant. J'irai pas trop loin, guys, dans le bois. Parce que pour vrai, j'ai peur du noir. Pas vrai. Non, mais c'est juste fucké de rouler pis tu sais pas savoir, mettons, mais tu croises un ours. Je me sens quand même en confiance à mes petites lumières. Celle du bike, la 1500, elle éclaire en sacrifice. Celle du casque, pas tant. Correct, mais tu sais, je sais qu'elle est vraiment faite pour. Pointer où est-ce que ta vue est supposée aller. Hop! Et les feux d'artifice! Fait que là, à ma droite, on a la rivière Jean-Arrose. À ma gauche, on a un petit quartier résidentiel. Fait que c'est... Je crois la fin de
pas me tromper. Je crois que c'est la fin du sentier du moulin. Ah, il y a une pancarte. J'aime bien ça. Ah, sentier du moulin. Ah, ok, deux sens. Ok, cool. Bon, à savoir. Si je croise des fuckés qui roulent à cette heure-là, je saurais faire attention. Ok. Hop, celle-ci. Hop, celle-ci à droite. Pour vrai, vous allez rire, là, mais ce que j'ai comme le plus peur, c'est de croiser de la vie sauvage. Vous pouvez rire de moi comme vous voulez, y'a pas de trouble, mais c'est pas impossible. C'est quand même des ours dans le coin. Pas beaucoup, puis pas proche, mais ça peut arriver. C'est vraiment ça qui me stresse le plus. Juste par curiosité, ceux qui roulent à la lampe, c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé? C'est quelque chose qui vous stresse? Je serais vraiment curieux de le savoir si c'est juste ma propre insécurité de la faune qui ressort. Et on a un petit chemin d'accès qui va vers le Mont-Saint-Anne. Crème, on va aller vers le Mont, guys. On va aller faire une petite affaire le fun. Allez voir, ça va être drôle. Je fais japper les chiens, oups! Check bien ça va être le fun. Ben. Furb. Ok, ouais, ça c'est cool. That was cool. Oh, ça sent bon. Ça sent bon. Nice. Bon, je pense que je vais remonter chez les parents tranquillement. C'est cool, c'est un petit essai. Fait que si vous avez apprécié ce petit contenu un petit peu différent, vous pouvez donner un petit thumbs up. Vous abonner et on se voit la prochaine fois dans Fleur Québec. Salut guys! Burp.